Réputé pour ses gestes d'humeur, voire même ses colères légendaires, Philippe Séguin avait pris la tête du RPR en juillet 1997. Pendant près de 2 ans, Philippe Séguin avait accepté de se jeter dans la bataille pour redresser le parti après la dissolution. Il avait également accepté de taire ses contradictions, notamment sur la question européenne. Ses rapports toujours passionnels avec Jacques Chirac, le sentiment d'avoir été lâché par certains, lui qui avait toujours pourfendu ce qui divise. Philippe Séguin a donc jeté l'éponge après avoir à plusieurs reprises menacé de démissionner. Jean-Baptiste Prédalier. Je suis heureux de vous annoncer que nous avons reçu un message de Jacques Chirac. L'ovation ce jour-là durera 13 minutes. Une façon de signifier à Philippe Séguin que s'il a pris la tête du RPR depuis juillet 1997, il ne doit pas oublier qu'il s'agit d'abord du parti de Jacques Chirac. Pourtant, en succédant à Alain Juppé après la défaite de la droite aux législatives, Philippe Séguin s'efforce de recoller les morceaux cassés de la division. Il donne des gages, renonce à changer le nom du mouvement, accepte parfois d'infléchir la ligne d'opposition résolue au gouvernement qu'il prône, comme sur l'euro à l'Assemblée nationale. Philippe Séguin multiplie même les déclarations d'allégeance. J'ai reçu le RPR en dépôt à un des moments que je crois sincèrement les pires de son histoire, et je considère que c'est un dépôt sacré. L'Élysée souhaite l'union de l'opposition, Philippe Séguin lance l'alliance, le regroupement des centristes, des libéraux et des néo-gaullistes. Parallèlement, candidat à sa propre succession à la présidence du RPR, il hésite un moment, s'estimant peu soutenu. Oui, bien sûr, j'ai hésité. Bien sûr, pour une raison simple, c'est que j'avais été élu en juillet 1997 sur un mandat, et je considérais que ce mandat avait été accompli, et que le moment était peut-être venu de passer la main. Le 13 décembre 1998, Philippe Séguin est élu par les militants, président du RPR, une première. Mais la préparation des élections européennes va précipiter les ruptures. Résultat, Philippe Séguin veut d'abord une liste RPR, on lui impose l'union de l'opposition. Sa présence comme tête de liste provoque ensuite la dissidence des centristes et de nouveaux remous à droite. Aujourd'hui, à 56 ans, Philippe Séguin redevient simple député d'Épinal. Dans le passé, il a souvent menacé de démissionner. Aujourd'hui, il a choisi de rompre.